Quand la dernière cloche de l'école sonna, tous les enfants riaient et criaient de joie. Tout sauf Akku. Akku était en colère. Akku, regarde les jolis tournesols, dit papa. Alors qu'il parcourait un champ, gros, ils sont trop jeunes. Ils me font mal aux yeux, déclara Akku. Akku, regarde. Regarde tous les singes, dit papa, montant le toit de leur maison. Et déclara Akku. Oh, allez-vous-en. Oh. Allez, bois du babeur, dit papa. Cela te calmera. Oh. Déclara Akku. Je n'en veux pas. Prends-en une gorgée. Oui. D'accord, ça va. Dit Akku. Et elle prit une gorgée. Ce n'était pas si mauvais. Elle prit une autre gorgée et une autre. En un rien de temps, le verre était vide. Bonne fille, papa. Bonne fille, dit papa. Maintenant, veux-tu me dire pourquoi es-tu si en colère? Non, dit Akku. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Est-ce que maman a fait quelque chose? Non. Est-ce que quelque chose s'est mal passé à l'école aujourd'hui? Peut-être. Ah. Veux-tu le dessiner? Demande papa. Voici une belle feuille de papier et des crayons. D'accord, dit Akku. Akku dessina une brique. C'est la stupide brique qui m'a fait trébucher ce matin, dit Akku. Tu as raison. C'est une brique très stupide, dit papa. Et Akku dessina un garçon. C'est Biku, un méchant petit garçon. Il a rigolé quand je suis tombé, dit Akku. Tu as raison, dit papa. Il ne devrait pas avoir ri de toi. Et Akku dessina un gâteau indien. C'est mon gâteau, dit Akku. Il est tombé de ma boîte à déjeuner quand j'ai trébuché sur la stupide brique. Et Akku dessina un corbeau. C'est le très méchant corbeau qui a volé mon gâteau, déclara Akku. Le corbeau
devrait avoir très faim, dit papa. Akku dessina sa maîtresse. C'est ma maîtresse, Madame Amala, dit Akku. Elle m'a aidé quand je suis tombée. Et puis elle m'a fait un câlin. Elle est gentille, dit papa. Et puis elle a pincé mes joues. Je n'aime pas quand on me pince les joues. Oh, cela doit avoir fait mal, non? Un peu, mais je vais bien maintenant. Tant mieux. Tu dessines très bien. Akku, tu dessines très bien, Akku, dit papa. Tu es une véritable artiste. Dessineras-tu quelque chose pour maman aussi? D'accord, dit Akku. Et Akku commença à dessiner davantage. En un rien de temps, Akku avait oublié tout sur la stupide brique qui l'avait fait tomber. Et à propos du stupide garçon qui s'était moqué d'elle, et à propos du corbeau voleur de gâteaux, et Akku oublia même d'être fâché.